Vendredi 24 avril 1981. L'histoire se fait au plus près des êtres. Elle influence les vies comme les mains modèlent l'argile. Constance venait d'un pays coupé entre deux, dans lequel elle ne retournerait jamais. Elle ne rêvait que de voyager, parler de vivre un jour en Afrique ou en Inde, d'autant qu'elle voulait réparer les torts de la Révolution verte, cette politique des pays avancés qui, à force de pousser les rendements dans les pays en développement, avait tué leurs terres. Venant d'un pays fermé, elle dévorait ce monde grand ouvert et voulait apprendre toutes les langues. À l'inverse, Alexandre savait qu'il ne quitterait jamais les Bertranges. Son statut de successeur faisait que cette terre avait besoin de lui. Ils étaient originaires de deux planètes irréconciliables. C'est pourquoi il n'en revenait pas de se retrouver à côté d'elle, de sillonner avec elle le Tarn-et-Garonne et les vallons du Gers, quitte à devenir un activiste, un artisan de l'ombre. Serge Joncour, Nature humaine.